Et bonsoir. Hop là, attention, micro, c'est bon. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Le chat, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit stream. Salut ZX, comment vas-tu? Bienvenue. On se retrouve sur un petit live Forza Horizon. J'ai testé le jeu hier. Bien et toi, moi, ça va nickel. J'ai testé le jeu hier, vu que. Merci Ubisoft. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci à Xbox de m'avoir passé le. Oula, attends, le téléphone peut grésiller peut-être. Le Game Pass. Du coup, on va tester ensemble Forza. J'y jouais un petit peu hier. Et on va continuer d'explorer ça ensemble. J'ai fait le début du jeu. Baisser un petit peu la musique. Hop. Tu joues à Forza, ZX? Alors. Forza Horizon 5. Oui. Comme tu veux. Bon, en vrai, je vais voir. Parce que c'est ma deuxième session, donc je connais pas trop le jeu. Mais pourquoi pas, ouais. Tu joues depuis longtemps ou t'es comme moi, tu. Enfin non, j'allais dire tu viens d'arriver dans le jeu, mais je pense pas trop. Hop. Oula. Attends, je vais baisser le son pour vous. Parce que le son du jeu est excessivement fort. Vais remettre comme ça pour l'instant. Moi j'aimerais live sur Forza. T'es sur PC ou sur console? Alors. Audio déjà. Alors là, j'aime beaucoup la musique. Mais c'est vrai que le son. Le son est pas mal fort. Alors, est-ce que si je remets comme c'était, donc à peu près comme ça. Ouais, on va être pas mal. Ah non, je fais d'autres jeux. Là, c'est la première fois que je stream sur Forza. J'ai testé le jeu hier. Comme j'ai dit, ouais, Xbox m'a passé le Game Pass. Donc, je vais essayer de tester pas mal de jeux qui sont sur le Game Pass. Je vais enlever la musique de fond. Vu qu'on a le jeu. Mais oui, c'est PC. J'aime beaucoup tes Switch de FNAF. Merci, merci. Mais oui, c'est la deuxième fois que je joue. Distance parcourue 112 km, tu vois. Et tes os là. Parlez. Merci, merci. Ah, j'y travaille depuis longtemps. C'est vrai que j'ai. Salut Dragon. Voici la sélection du festival. C'est un guide annuel des nouvelles épreuves et récompenses exclusives d'Horizon Mexico. Oh, Je te une conseille Dodge. d'y jeter un œil à chaque changement de saison. Il y a. Je streamais beaucoup avant, mais j'ai arrêté. Performance. C'est une BM? On aurait dit une Dodge. Récompense de championnat, ok. Ravi Ok. de vous revoir, Dragon. Alors là, du coup, on est à la maison. Tu me dis si le son du jeu est trop fort ou pas assez. Épreuve mixte. Ah oui, donc ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est nouveau. On va essayer celui-là.
mètres. Tournez à gauche. Peut-être pas la meilleure voiture pour... Peut-être pas la meilleure. Dans 100 mètres, tournez à droite. Tout est parfait? Ok. Ah oui, avec le sol mouillé, cette voiture. Il n'y a rien de mieux pour conduire. Alors j'espère que vous serez nombreux à nous écouter. Il y aura plein de sons lo-fi hyper détente et je vous parlerai de mes chats Maple et Luna. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. On va tester comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme voiture? Ah, j'ai celle-ci. 6,8. 5,8. 6,5. 5,5. Ah, il faut juger 5,5 aussi en accélération. 7,7 en accélération. Ah oui, il y a marqué recommandé. En vrai, je vais tester celle-ci. On va voir. Ah, il y a plein de sponsors hein, sur la voiture. Attention. On va voir si mes Game Gear ont servi à quelque chose. J'avais déjà poussé. Hein. Ça commence mal. C'est moi où je suis passé le premier. Alors j'ai jamais joué à des jeux de course, mais je trouve que tu m'en sors pas trop mal. Hein. Et que je parle. C'est que le sol est un peu mouillé. Et t'as déjà essayé de live dessus du coup aux ZX? Ou tu sais pas comment trop. Ah. Ok. Combien de tours il y a? Il doit y avoir 2 ou 3 tours. C'est que j'ai dépassé tout le monde en fait. Je suis de la merde. Heureusement que j'ai un peu d'avance. C'est l'arrivée là? Ah non, il y a encore un tour, je crois.
Allez. Je trouve que je gère plutôt bien pour l'instant. Mis à part les quelques murs que j'ai mangés. Je crois que c'est le dernier tour. Hein. Ouais. Troisième tourne. On va finir en beauté. Magnifique. Non, mais il faut que je fasse des overlays, tout ça. Bah ouais. Et si tu veux sur Stream Elements, il y en a des pas mal pour commencer. Hop. Ah oui, j'avais 6 secondes d'avance quand même. C'est mieux que le Bax, comment il va? Salut Dragon. Voici la tournée Horizon. C'est le lieu où rencontrer des amis, se relaxer et faire le tour du Mexique. Jette un œil quand t'auras une minute. Super, toi, moi ça va nickel. Désolé l'autre fois, j'ai vu que t'étais passé et après je t'ai vu dans le chat, j'ai fait ah mince, je t'ai pas répondu. Hop. Alors, donc ça c'est fait. Tu disais, ouais, essaye de regarder sur Stream Element. T'as des overlays pas mal pour commencer le stream. Donc. Oh, attends, on a un panneau là. Ah oui, ok. Bonjour, je suis Anna, votre assistante de navigation naturelle autonome. Je suis là pour vous guider à travers le Mexique et vous proposer des défis distinction à la demande. Je suis maintenant dotée du module Forza Link. Je peux désormais vous suggérer des phrases à envoyer à d'autres pilotes pour vous rapprocher oui. Et vous permettre de jouer ensemble. Oui. Non, je... Ah, faut que je l'active. Suis votre statut et celui des gens que vous rencontrez en ligne et suggère des façons de vous retrouver et de jouer ensemble. Non, non, les miens. Les miens, je les ai fait moi-même. À part celui Chaque du fois que vous début, voyez cette lumière de fin et de pause. Cela suggère un moyen de retrouver d'autres pilotes. Ah, il est vous là où, avez là. Atteint votre destination. Attends, je fais de la merde. Ah, il est dessus le panneau. Faut sauter. Ouais, faut sauter. Ça se tente en vrai. Heureusement que j'ai une voiture comme ça parce que les autres voitures sinon. Ouais, au niveau de Big Ambition, normalement la 0.6 ça devrait pas tarder. Après, on n'a pas de date précise encore. Sur Canva. Ouais. Moi j'ai rejoué un petit peu là. C'est vrai que les rivaux c'est pas mal. Oh, ça ajoute un petit truc en plus. C'est quoi ça? Est-ce que vous voulez dans cet aéroport? Courage, ok. Circuit. Oui, j'ai déjà fait ça. Là-bas c'est quoi?
carte défi. Ah oui, mais non. A new follower. Merci du follow ZX. Ah, c'est bon, tu peux jouer en ligne? Je sais pas du tout. Je crois. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit. Ok. Je vais essayer ça. On va voir. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Si. Tournez à gauche. Attends, attends. Oh, le panneau, il est là. Il est paf. Bah, du coup, si tu veux qu'on joue ensemble, faire tes courses, moi, je suis partant. Bah, comme tu veux. Par contre, je sais Dans pas du tout 400 comment mètres, on ajoute. tournez à gauche. Tournez à gauche. Merde. J'ai cru que j'allais les écraser, mais non. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Faut passer par l'appli Xbox. Attends. T'as mon pseudo en haut, c'est Dragon TTV 1557. J'ai pas vu qu'il y avait un radar là. Vous avez atteint votre destination. Une minute, trois étoiles. Ça se tente. Ouais, c'est ça. Changement de saison. On change de saison. Hey man, stop trying to fight everyone. Just ask them if they want a race. Yeah, I'll pass. I left my centenario in my other pants. Oh, look at me, I'm Nolan. I got centenario pants. James? Nolan? Je savais que c'était vous deux. Bienvenue hey, à Mexico. It's him. Nice yeah, to meet great you, meeting dude. In the flesh. Wow. I've seen you jump cars out of planes. And that thing in the sky. How does it even stay Qui up there? parle anglais ou c'est Calm down, que fanboy. j'ai mal traduit? Hey, m'avait pas dit que t'allais Ah venir. oui. Yeah, we heard the festival was here, so we brought the whole crew down for the weekend. J Crew. And Nolan. Je vais les chercher dans le festival. Mais cette jolie voiture, c'est la tienne, James? Yeah, it's mine. Sweet little personal ride with some C'est personal golf. modifications. En général, c'est le moment où quelqu'un me tend les clés. Just be careful with it. I've seen you drive too. You know what? I think I'm just gonna go with you. Fanboy. Bien. Voyons de quoi elle est capable. Hey, whoa! Take it easy. Zach just finished fixing this thing. Je pensais faire une minute avec ça. Ah, ça a déjà commencé? Guys, I don't mean to alarm anyone, but we've got a dust storm blowing up along your route. Nothing. What? No. Bon, je vais jouer. On pas besoin de vogue. Dans 200 mètres, tournez à droite. Waouh, ça fait du bien. Voyons si on peut se trouver un peu de terre pour rouler. Not too much tearing it up, though, right? Fais-moi confiance, James. Well, you're literally inside a sandstorm now, so have fun, I guess. No, Nolan, it's fine. I wanted a new paint job anyway. Ça va plus vite comme ça, non? Dans 400 mètres, tournez à droite. Ah non, ça va pas vite comme ça. S'il y a des cailloux. Faites
demi-tour dès que possible. Dans 400 mètres, tournez à droite. C'est comme ça que je fais. C'est ça. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 100 mètres, tournez à droite. C'est comme ça, je vais faire en 1 minute. C'est un peu sûr. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Okay. C'était juste ça. What am I looking at? This is the Hypervocho. Alejandro says it'll do over 200 miles per hour. I'm not sure how that's even possible. C'est Alejandra qui l'a construite. Voilà pourquoi. On va faire un tour. Don't look at me, man. You're the one who gets paid to be a passenger. Yeah. Yeah. Let's go. Okay. Right, keep your speed up, I'll call the route. Road's technical ahead, that opens up, I'll call when you come for it. Okay, right is easier, but both ways work. You decide. On a une droite. Here we go, give it the beans! I'm okay with it. That's what I am. Okay. Come on. Que facile. Ah donc. Hey, just let me catch my breath here. You know, I've got an idea. If you're not doing anything tomorrow, let's build a car. You up for that? Absolument. Je te verrai sur la piste d'essai à l'aube. Est-ce que j'ai eu les 3 étoiles? Gone? Why? I mean, yeah. See you there. Oh, dommage. À 10 secondes près. Ouais. Je vais retenter. J'espère juste que ça relance pas tout. Ah non, c'est bon. Right, keep your speed up, I'll call the route. Road's technical ahead, that opens up. I'll call it when you come for it. Okay, right is easier, but both ways work. You decide. J'ai reçu. On va essayer de faire. Tu l'as déjà fait, hein, Nolan? I'm okay with it. That's what I am. Okay. Voilà, c'est facile. Hey, just let me catch my breath here. You know, I've got an idea. EZ. If you're not doing anything tomorrow,
Let's build a car. You up for that? Absolument. Je te verrai sur la piste d'essai à l'aube. At dawn? Why? I mean... Yeah. See you there. Voilà. 46 ondes. Xbox, je vais regarder. Ça ne veut pas marcher. Ah si, peut-être. C'est bon. Alors, notification. Alors attends. Touk touk touk. Tu m'as demandé en ami ou pas? Enfin, je sais pas s'il y a un système de. Normalement si. Puisque je sais que tu m'as invité, mais du coup ça a pas marché. Ah oui, ajouter un ami. Ok. Je t'ai invité normalement. Bref, on te faut doser le bruit. Oui, t'inquiète. Hop. Nickel. Donc là, t'es avec moi ? Attends, je vais juste là où il me dit. Aucun problème, j'arrive dans un instant. Le concours de distinction. Récupérer. Ah, t'as quitté. Ah, t'es revenu. Cette maîtrise. Dans 400 mètres, tournez à droite. Nouveau calcul de l'itinéraire. Tout va bien. T'es là ou pas, du coup? Attends, je regarde dans l'application. Ah, on peut lier Twitch, attends. Paf, oui, ouvrir. Voilà. Je vais mettre mon Twitch sur mon profil. Hop,
Est-ce que... Vroom vroom la voiture, t'as vu ça, Rézia? C'est une dinguerie ce jeu. Hein. Je sais pas comment ça marche, mais je me démerde bien, donc je trouve ça bien. Finalement. Merci Xbox d'ailleurs. D'ailleurs, attends. Je crois qu'il y avait un lien à vous donner, un truc comme ça. Faut que je regarde. UK. Tenez. C'est pour vous. Si vous voulez le Xbox Game Pass, passez par ici. Enfin, si vous voulez l'acheter plutôt. Ça roule bien et ça gagne. Bah pour l'instant j'ai toujours fini premier. Après je sais pas si c'est des bots avec moi. Le fantôme auto est désactivé pour les pilotes de ton convoi. Tu peux foncer sur tout le monde si ça te fait plaisir. Right. First step is we gotta choose a donor car. What do we got, Nolan? Véhicule. Got a couple of options. Which do we want to work on? Remember, if you want to commune work on a rare. Different card later, come back here and pick it from this list. Bah attends, 5,1. Ah mais elle est pas bonne en tenue de route elle. 3,7. Prendre celle-ci. ChatGPT qui conduit la voiture. Non, en vrai je sais pas. Mustang Tu sais, il y a des pseudos, mais je suis pas sûr que ce soit des gens. Mais sinon je me démerde bien pour une personne qui a jamais joué à des jeux de course. Le seul jeu que j'ai joué où je roulais vite avec des voitures, c'était GTA. Une épreuve de taille? Je relève le défi. Alors. Ok. Ah, on doit améliorer. Ok. C'est Roblox. Ah oui, peut-être Roblox aussi. Mais je suis même pas sûr que. Oula, ça devient compliqué. Installer. Pas bon moi on avait alors plus de vitesse moins de tenue de route ok tout terrain 5 3,1 2,9 3,1 je vais prendre celui-là. Ah, j'ai 1 heure. Bon, ça va. Ça. Oula, tuning time, t'as vu ça? Je sais pas à quoi va ressembler après la voiture, mais bon. 3,5. 168. Quatre-vingt-onze, 600. On va mettre tous les trucs recommandés. C'est le mec qui s'y connaît pas, mais 617. Oui, bon, après, par contre, l'allumage, en vrai. Je vais rien mettre pour celui-là. Parce qu'après la voiture va être incontrôlable. Soupape, je sais pas ce que c'est, mais vas-y. Ça c'est de la merde, ça. Tout est rouge, c'est de la merde. 3,7. On va mettre OK. Hein. Je pense qu'on est. Ah mais c'est qu'il y a. Oh putain, il y a tout ça. Je suis là pour faire la course, moi pas.
aérodynamisme. Pare-choc arrière. Ça devient compliqué pour moi là. Les roues, très important les roues. Ouh là, c'est que du vert, c'est bien quand c'est vert. 45, 45. On va dire ça. Ouh, attends. 721. C'est génial ça. De toute façon, je dépense de la thune depuis tout à l'heure. Non. Non, il y a marqué gratuit. On va dire que c'est bien. Et ajouter un. Ah oui, mais je suis con en fait. Ils me disent des trucs depuis tout à l'heure et moi je fais ça. Ajouter un système à doubler. Attends. Ah oui, mais elle est incontrôlable cette merde. En fait, ils me disent des trucs depuis tout à l'heure. Et moi, je suis de la merde. Alors, des ressorts. Et où les ressorts? On va pas s'en sortir. Et la plaque est marquée dragon dessus. Bah ouais, t'as vu ça? Je suis égocentrique. Quand même. C'est quoi? Transmission, peut-être par là ça. Ligne de transmission. Ils sont où les amortisseurs? J'ai l'impression d'être con quand même. Hein. Ajuster le système AWD. Et qu'est-ce que t'appelles le système AWD, mon cher? C'est une toute autre question, ça aussi. Admission. Le système AWD. Est-ce que ceux qui s'y connaissent, ils peuvent m'aider là? Les ressorts et amortisseurs de rallye et les pneus de rallye. Alors les pneus, je sais où c'est déjà. Type de gomme. Ouais, mais même ça j'y arrive pas. Ok, route, sport, course, course, tout terrain, drift, course, tout terrain, drag, drag. Bah, j'imagine que c'est tout terrain du coup. Mais c'est ce que j'ai. Salut Patch, comment il va? Ah, tous les trucs et les points d'exclamation. T'es pas bête, toi. Je suis juste B, en fait. Merci. So, this is the Horizon test track. Looks like there's routes for asphalt, mixed surface, and even off-road. C'est facile d'un coup, bah oui. Quand on est moins con. Comment il va, Patch? Et tout d'un coup. C'est pas par là. Merde, fallait pas. Ah. C'est facile d'un coup. Merci, Zetix. What's next? I've literally never heard you say that, James.
En fait, moi, à chaque fois, sur tous les jeux, je cherche compliqué alors que c'est vraiment indiqué. Ah, j'ai 3 étoiles. Mais je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai 3 étoiles. Bah, merci, hein. Mais c'est que là, il aurait pas été là, je serais là pendant une heure encore. Hein. Il y avait un timer d'une heure, j'aurais été là pendant une heure. Je suis niveau 6, dinguerie. Salut dragon. Rejoins-moi. Oh, attends. De partir à l'aventure. Je t'explique. Les extensions, c'est pas le seul but. Ok. On voudrait aussi étoffer les programmes de course et les épreuves des antennes existantes. Ok. Organiser des expéditions vers l'inconnu ou des aventures au coin de la rue. Ça dépend de toi. Comment tu le sens? Trouver et restaurer une voiture légendaire. Mais Apex. Oh, bonjour. Pas mal ta Peugeot. Faites demi-tour dès que possible. Ah, faut que j'aille derrière. Attends, viens. Il va me taper un demi-tour du turfu. Oui. Voilà. Allez, go. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Pas mal la Peugeot. Hein. Je suis pas sûr qu'il y aurait la Peugeot face ça. Sauf si elle est bien modifiée. Ah, je sais plus comment on klaxonne. Ah, c'est H. Dans 400 mètres, tournez à droite. Il n'y a pas de temps, 400 mètres. Moi, je tourne à droite direct. Vous avez atteint. J'y suis arrivé. Ah, je suis arrivé, hein. Point de prouesse, ok. Je vais faire quoi maintenant? Ah, nickel. Mais du coup, ouais, tu vas me fumer sur la course. Hey, salut, je peux t'aider? Monte dans le buggy, je t'expliquerai en chemin. En buggy? Mais non, on est tous les deux en buggy du coup. Farfouillé dans un tas de vieux trucs, je sais pas, ah ouais. La semaine dernière, et il a trouvé cette photo. Il me l'a donnée en pensant qu'elle me plairait, sans vraiment savoir ce que c'était. D'après toi, quels sont les deux piliers de la culture mexicaine? La famille et la bouffe. La famille et l'art. La famille et la musique. Presque. La famille et la coccinelle. La bucho, comme on l'appelle ici. Bibi Sabuelo Fernando a été le premier de la famille à en avoir une. Et grâce à cette photo, je crois savoir où elle est. Vraiment? Allons-y. Attention. Quel est ce pilote? Bisabuelo, ça veut dire arrière-grand-père. Mais ouais, ce pilote, hein. J'ai jamais connu, mais il paraît que je suis son portrait craché. Dingue de voiture. Il faut savoir qu'au Mexique, une vocho, c'est comme un membre de la famille qui vit dans ton garage. Papa Fernando a aimé cette voiture jusqu'à la fin. Et je pense que la fin est arrivée sur une route boueuse près d'ici. Il a pris une dernière photo et l'a abandonnée là. Je crois qu'il a coupé la route. C'est là qu'on va. Si tu la retrouves, je pourrais la remettre en marche. Je suis que de la merde, moi. Allez, on monte dans les collines. Ah oui, tu pouvais couper, je suis con. Ah, mais il y a du temps. Une route, une piste, pas besoin de route. Hein. Moi, j'y vais comme ça. Tiens, je suis arrivé. C'est ici, c'est sûr.
Fernando est venu faire ici avec la Vocho. Les tempêtes peuvent être énormes. Attends que... Ah, pas mal la voiture. Hein. C'est bien ici. On l'a trouvé pour toi, Papa Fernando. Mais regarde ça. J'ai jamais vu une coccinelle comme celle-là. Elle est un peu rouillée. Après, c'est mon avis, hein, mais... Légèrement. Oh, la météo s'arrange pas. Et j'aime pas l'état des routes dans le coin. C'est toi qui conduis. Okay. Ah, je vais conduire le camion ? Mais non. On va pas faire une course en camion, quand même. Il va falloir une nouvelle batterie et pas mal d'huile, mais pour les jantes et l'électricité, ça va être compliqué. Même pour moi. C'est une coccinelle. On parie qu'elle démarre au quart de tour. Il y a vraiment un camion ? Ah ouais. Pas. Ah, je suis con. Oh, j'en ai vu des teubés. Hein. Attends. On peut pas regarder vu de l'intérieur en plus. Carambolage, mais non. C'est une illusion d'elliptique. Comme ça, 8 minutes 20, 3 étoiles. Pas 8 minutes pour y aller quand même. Ok, c'est quoi ça encore? Ah, on dirait un chantier. Tu peux le contourner? Je devrais pouvoir y arriver. C'est une manière de faire. Qu'est-ce que t'as l'intention d'en faire? J'ai plein d'idées. C'est ça qui est bien avec une Vocho. C'est pas qu'une voiture, c'est un style de vie. À la limite, je fais le chemin en 3 minutes, mais pas 8 minutes. Ah, on est déjà arrivé. Un petit drift pour l'arrivée. Allez. Garde-toi ici, je m'occupe du reste. Ah oui, c'était juste ça. Retrouver des voitures perdues, ça n'a rien de magique. Mais c'est facile, hein. La chance, du travail. Bon, après c'est les premiers trucs. Un drone. Oh, tu sais, le travail ne fait que commencer. Je t'appelle bientôt. EZ. Hola, amigo. J'ai pas mal bossé sur la Vocho et j'ai appris des choses au sujet de Papa Fernando. Rejoins-moi dès que t'auras une minute, je te montrerai. Allez, let's go. Je prends de l'avance parce que j'imagine que... pas compliqué de... Oui, voilà, mètres, de me rattraper. Tournez à gauche. On tourne pas à gauche, on va tout droit, mon pote. Hop là. Nickel. Il change de couleur, c'est pas vrai. Non. Vous avez atteint votre... Ah merde, c'était derrière. Let's go. Vroom vroom. Légèrement long. Hola.
Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, très joli. Où est la voiture? Elle est cassée. T'en fais pas. Certaines voitures de série sont pas si mal. Je fais une course contre Alejandra là. Ah, c'est comme ça. Tu vas voir. De la merde. Qu'est-ce que je fais? La merde à prendre d'avance du coup pendant que je fais ça. Bon, j'ai fait la même bêtise. Par contre, madame Alejandra, je suis désolé, hein, mais ça va pas le faire. Il existe un trajet plus court. Allez tout droit. C'est un parcours technique, plein de virages. Mais le point de contrôle suivant est hors de la ville. Tu me compliques la tâche. Voilà. Et elle ne voulait pas accélérer ma voiture. Ah oui, mais je suis que de la merde, moi. Merci. Ah mais je crois que j'en ai raté un du coup. Non? Ah non, c'est bon. Bonjour. Hey, bien joué. Je te laisse retourner au garage. Appelle-moi. Pourquoi une étoile? Deux étoiles à 2 minutes. Ah ça c'est pas gentil ça. Hola mi amigo. Devine qui a réussi à faire tourner la voiture aussi bien qu'en 1963. Un peu de rallye, ce serait parfait. On pourrait faire ça ici. Ou si tu préfères montrer ce que tu sais faire en gymkhana, on peut faire ça ici. Tu choisis et tu me rejoins. Alors, objectif auto. Ok, je suis où moi? Où suis-je? Ah mais je suis là moi. En vrai... C'est quoi ça? On va faire ça. Dans 400 mètres, tournez à droite. Ah, il y avait un panneau XP. Tournez à droite. J'arrive. Vous avez atteint votre destination. Up some computer bits to the car. I need you to drive it as fast as possible along the entire route.
Ok, battre l'objectif de vitesse. Okay. Oh, for sure. I think I know a place. I'll call you. km/h, pas mal. Ça me fait penser que j'ai pas lancé ça. Tiens. Pas maintenant. Et j'attends juste ça. Tac. Tac. EZ. Salut Dragon. Je sais que ton planning est chargé, mais certaines de nos installations sont niveau 7. Bondées. Alors, si tu voulais bien valider la prochaine extension, ce serait chouette. Yo, this is the place. Get down here. Time trial this car. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour. Nouveau calcul de l'itinéraire. Oh non, il n'y a pas besoin de faire demi-tour, regarde. Vous avez atteint votre destination. On passe au milieu, comme ça. On fait un petit drift. On revient. Ça se casse pas. C'est compréhensible. Tac. The route laid out and ran some numbers for the times you should be aiming for. I swear, Nolan, I'm gonna start. Donc là, c'est que des tests de vitesse. We've got to be scientific, man. All right, jump in. Let's go. Je vais faire combien là? Go, keep it on the road. Ah. I put down some stuff to mark the turn off. Il est toujours comme ça? You have no idea. He loves rolls. Là, je vais rester sur la route. Ah oui, donc j'ai pas le droit de couper. Une minute 15. J'arriverai pas. Hein. Ah, quoique. Quoique. Mais non. Parfait. There we go. You know, I think we built a pretty good car. I think we actually have to put it up against something along a rally route. Y a de super routes près de l'ancien aérodrome. Well, that sounds like what we need. Let's meet there. Zed. Hey, I think we. Ah, je voulais juste regarder un truc. Mon horizon. Tirage. Ah, j'ai 4 tirages. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Une Dodge, pas mal. J'aurais bien voulu avoir l'ancien modèle. Enfin non, le nouveau modèle plutôt.
Oh, il fallait y avoir 40 000. Cinquante mille, ok. Oh, 100 000 crédits. Let's go. Down the place. It looks like it's gonna rain though, so don't leave us hanging here. You know, for a famously fast person, you certainly are late a lot. J'y suis bientôt. Abrite-toi dans un des vieux hangars s'il commence à pleuvoir. Y'a un panneau XP là. Dans 200 mètres, ah, c'est celui-là. Tournez à droite. J'étais trop haut. Pour une fois que j'étais trop haut. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ah, les armes ne sont pas cassables. Ce qui est un peu compréhensible. Tournez à droite. Toujours pas. Dans 400 mètres, tournez à gauche. On l'a déjà fait celui-là, non? Autre chose. J'avais pas déjà fait celui-là? Je veux voir comment la voiture s'en sort en Gymkhana. Et toi, ça te dit? J'arrive. Ah non, je vais tester. Je vais faire celui-là avant. T'es parti, Celtic? Waouh! Mi abuelita Rosa m'a raconté la première fois où papa Fernando a vu une coccinelle. C'était en 1954 quand ce modèle a débarqué au Mexique pour la Carrera Panamericana. Génial! Je peux? Ouais, bien sûr. Je t'ai tracé un bon petit parcours de rallye. Je fais la copilote. Let's go! C'est donc ça, sursaut. Attention, sursaut. Pour droite, sur gauche serré. Effectivement. J'ai perdu du temps là. Merde. J'aurai pas les minutes. Non. Dans
épingle à gauche. Oh. Vite. Oh non. Excellent, bien joué. Je vais refaire. Faire 3000 km comme ça à travers le Mexique dans les années 50. Pour Papa Fernando, c'était la preuve que la Vocho était capable de tout. Il avait l'air super. J'aurais aimé le rencontrer. On va y arriver. Cours gauche sur cours gauche. Tout est dans la maîtrise du véhicule. Cours droite sur cours gauche. Cours droite, pas corde, sur dos. Je suis concentré, hein. Saut sur haut, sur droite serré et changement de surface. À chaque fois, celui-là. Arrête 10 secondes, est-ce qu'il y a le temps pour que je carotte la moitié à la fin? Genre je coupe d'un coup. Facile. Voilà. Je vais quand même prendre un karma. Excellent, bien joué. T'imagines faire 3000 km comme ça à travers le Mexique dans les années 50? Pour Papa Fernando, c'était la preuve que la Vocho était capable de tout. Il avait l'air super. J'aurais aimé le rencontrer. Hola, mi amigo. Ma famille est venue voir la Vocho pendant que je bossais dessus à l'atelier. Ils m'ont raconté de ces histoires. T'en croirais pas tes oreilles. Oncle Oscar dit que Papa Fernando a couru pour une écurie de rallye pendant un moment. Il a fait la Baja, peut-être même le Dakar. On pourrait recréer une de ses courses. Sinon, ma tante Sofia m'a raconté qu'une fois, il a traversé le toit d'une école avec la Vocho. On pourrait reproduire son saut? Sans l'école, par contre. Tu choisis, je m'occupe du reste. Où suis-je? Je suis là. Vous vous souvenez de ce truc pour lequel j'ai dit que j'avais besoin d'aide? C'est ça! Vous êtes d'accord? Bien sûr! T'as besoin de quoi? Excellent! Retrouve-moi près de Mouléré! Faites demi-tour dès que possible. Thank you.
faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Vous avez atteint votre destination. Quel pilote, mais t'as vu ça? T'as vu ça? On se croirait presque. J'ai pas la suite. Impressionné, grave. C'est 10 ans de métier, ça. Salut, Rami. Quel est le plan? Ok, écoutez-moi. Ah, pas mal la voiture. Une belle supercar mexicaine, des belles routes mexicaines pour promouvoir le festival Horizon. On a besoin de faire de la promotion? Le festival semble bien fonctionner. Ok, très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. C'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr que je vais t'aider. Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est parti. Prenons de la vitesse et allons dans la campagne. Voyons vraiment ce que cette voiture peut faire. Tournez à droite. Dans 100 mètres, tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à droite. Wouah, sacrée vitesse! Mais voyons comment tu gères les virages. Tu veux me parler de la voiture, pas vrai? Je pensais que vous ne demanderiez jamais! VUL est donc une abréviation. Elle signifie véhicule. Un serveur Discord, mais t'as vu ça? Elle a été créée par deux frères, Guillermo et Iker Echeverria. La VUL 05 est une supercar axée sur la piste. Conçue et produite au Mexique, mais testée et optimisée au Royaume-Uni. Je crois même en avoir vu une au festival lorsque j'y étais. Nous sommes au volant de la version de pré-production de la VUL 05RR. La version encore plus axée sur la piste. Les concepteurs ont réussi à réduire le poids de 65 kg et à augmenter la puissance à près de 400 chevaux. Ils ont ensuite abaissé le moteur de 50 mm pour abaisser le centre de gravité et améliorer la tenue de route. La tenue de route, hein. Je suis quand même étonné de. La 05RR a même une option pour des boulons en titane, ce qui permet de gagner 4,5 kg supplémentaires. De ma tenue de route finalement. Que signifie le cycle RR? Bon, j'aurais dû fermer ma gueule. Et course. La voiture a été conçue pour une expérience améliorée sur circuit, mais reste légale sur route. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Je vais faire qu'une étoile. La honte. Moins de tourisme, plus de vitesse. Parfait. Il y a deux ou trois autres choses pour lesquelles vous pouvez nous aider, si ça vous dérange pas trop. Tu me laisseras jamais tranquille avec ça, hein. Appelle-moi. T'as vu ça, Patch? C'est un Discord. Ah, deux étoiles. Oh, ça va. Finalement. Troisième. Oh non. Faut que je refasse. À 3 secondes près, j'avais la troisième étoile. Je viens de mettre la main sur un morceau de l'histoire des courses mexicaines. Tu veux voir? Bien sûr! Je suis en route. Une nouvelle aventure, ça te dit? Timing parfait. Alors, où on va? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors. Attends, parce que du coup, je mange en même temps là. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. J'ai un tirage. Attention, suspense. 35 000 balles. J'ai combien d'argent dans le jeu? Ah, j'ai 300 000. On peut s'acheter quoi? Ah, c'est Hot Wheels ça. Je reste la vidéo, le temps de manger. Pas mal. Mais c'est payant ça, j'imagine. Sinon c'est pas drôle. Ouais. Pas que de voiture. Il y a des... Par exemple. Ah. Ah non, maintenant. Bah non, c'est pas grave. On fera après. On regardera après. D'horizon suffisent pas à te combler, tu peux toujours mettre la main à la pâte. Je te présente le labo d'épreuve. Alors. Elle a une bonne accélération. Ouais, je vais prendre celle-là. Montez le son à 11. Si on rejoint, ah, c'est bon. Ok. Ah, donc on est deux. Je fais les autres.
Ah, c'est bien ça. Et donc du coup, ouais, les autres, c'est les... Soit les joueurs, soit les bots, j'imagine. J'ai dépassé tout le monde. J'ai peut-être fait de la merde, mais j'ai dépassé tout le monde. Bon, c'est pas très RP par contre. Les deux premiers, trop bien. On a fait la même. Oh non, j'ai pas pris le point de contrôle. J'ai cassé le jeu. Oh non, le jeu il est crash. Voilà, j'ai cassé le jeu. C'est génial. Je suis fort moi pour casser les jeux. Je dois avoir un don là-dedans. Et du coup, ouais, pour ceux qui sont pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Attends. Je continue de manger, du coup. Et je sais pas si... Je sais pas si on continue sur Forza ou un autre jeu. Comment il va, Patchy? Comme dirait l'autre. Non, mon jeu a crash. Ah mince. Bah ouais, parce que j'ai raté le point de contrôle. J'ai voulu rembobiner. Et là, ça a lagué, ça a crash. Est-ce que Patch, donnez-nous un signe.
Rue. Alors. Tuk tuk tuk. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Patchy, il est là? Ah, il joue. Il faut doser Patch, hein. Il s'agirait de doser quand même. Hein. Là, 12 heures sur Factorio. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Est-ce qu'il y a un petit streamer sur Big Ambition, tiens? Non, il n'y a personne. Hop. Alors, Dragon. Sur quoi on pourrait aller? Il est 21h25, bienvenue à tous. N'hésitez pas à follow si c'est pas déjà fait, bienvenue. Je vais juste check ceci. Redeem. On va faire coverage. Vous avez vu mon accent? Digne des plus grands. Profile. On refresh. Twist. Oh, ça le fera tout à l'heure. Pardon. Hop. Merci pour le lurk, Zaytix. Pardon. Nanana. Pardon. Sur quoi on pourrait aller? Les jeux du Game Pass. Je vais regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on va profiter du coup? Je l'ai déjà, pour ça non. Starfield, je tire. Survie. Il y a Far Cry. Jamais joué à Far Cry. C'est quoi là? Grounded. SnowRunner, j'aimerais bien tester. Ghost Recon. Ah, c'est une version d'essai. Donc. Pourtant, il n'y a pas marqué. SnowRunner, est-ce que c'est une version d'essai aussi? Non. Hop. Ah, attends, j'ai pas regardé. 51 gigas quand même. Vas-y, on va l'installer. Hop. Bon, j'espère juste que ça va pas laguer en même temps. Normalement, ça devrait le faire.
Pardon. Donc, alors. Il y a ce qui est dans le chat. Hein. Est-ce que Patchy est là? La patchouille. Raison. Mais non. Alors, je sais pas trop sur quoi partir du coup. On peut faire du Euro Truck, Big Ambition, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion. Hop, et vous avez le Discord français juste ici. C'est moi qui l'ai créé. Il est content. Non, c'est moi qui l'ai créé. On est à peu près 1200 dessus. Donc, pour ceux qui veulent découvrir le jeu, n'hésitez pas. J'arrive. T'es pas casse-couille, toi. Non. Donc, alors. Tu fais mes devoirs, les. Ah, ok. Ah, mais attends, si tu veux. Regarder ensemble le temps que ça télécharge SnowRunner 32%. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va faire ça comme ça, mais je reste là. Oui, t'inquiète. Stream Element, on se calme la musique. Allez, hop, hop, hop. Où est-ce qu'elle est? J'ai trop d'onglets ouverts. Juste ici. Paf, t'as Discord? Oui, bien sûr. Tu as le lien de mes réseaux juste au-dessus de ton message. T'as le Discord dedans. Alors, touc-touc. Et on va dans outils de streaming overlay. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Et OBS, ça a pété un plomb. Donc je disais. Oh, non. Capture de fenêtre. Overlay. Ok. Voilà, on voit. Ah oui, ça c'était pour les campagnes. Du coup. C'est dans galerie d'overlay. Donc tu vois, quand tu vas sur Stream Element, t'as une galerie d'overlay assez variée. Bon, après, c'est des overlays assez classiques. Du genre, si tu joues à League of Legends, t'en as spécial pour le jeu. Si
Si tu veux des plus classiques, t'en as comme ça. Hein. Sinon, moi, celui que j'avais utilisé il y a un petit moment, c'était lequel? Alors, si tu veux Rocket League, celui-là peut être bien. J'avais utilisé celui-là il y a un moment. J'avais utilisé. Bah non, attends, je suis con. Ils sont là. J'avais utilisé celui-là aussi. C'était mon ancien avant que j'arrive à celui-ci. Et ouais, celui-là. Sinon, je l'ai fait sur Canva. Attends, je vais regarder. Touk touk touk. Oui, ça, je m'en fous. Projet. C'est où? Est-ce que ça date un petit peu? Oui, voilà. Je vais sortir tout. Les onglets. Voilà. Et du coup, là, tu as celui d'écran de fin que tu vas voir tout à l'heure. Tu as celui de la pause. Or, ça, normalement, c'est celui du début, mais le mien, je l'ai fait moi-même. Et tu as celui-là. Donc, celui qui est actuellement. Et en dessous, ouais, t'as juste en dessous là, par là. Enfin, par là, juste où il y a les trois trucs. T'as les noms que je mets directement sur OBS. Pardon. Apparente. Celui-là, il a l'air pas mal. Bon, c'est un pro. Mais il a l'air pas mal. Et après, oui, tu modifies à ta sauce. Et puis voilà. Pas d'autres choses à rajouter. Hop. Paf. On ferme. 64%. Ça se trouve, ça va durer 2 minutes. Et au final, je vais jouer 2 minutes à. À comment? À SnowRunner et après je vais quitter. Ah, attends, il joue à quoi? Horizon Forbidden. Ah non, je croyais que c'était Forza Horizon. On va regarder des jeux du Game Pass pendant ce temps. Paf. Alors, un jour récent. Alors, j'ai vu, il y a Call of Duty. Et c'est le multi ou alors c'est le solo? Les jeux inclus, Warzone. Oui, donc il y a Warzone et le mode campagne, j'imagine. Histoire principale, 5 heures. Pas tant que ça, finalement. Paf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sélections pour moi. Il y a EA Sport FC 24, donc autrement dit FIFA 24. Far Cry, ça peut être bien ça. J'ai jamais joué à Far Cry. J'ai jamais. Ah, c'est fait par Xbox? C'est Ubisoft et Xbox du coup? Voilà.
un petit peu fort. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yara Vision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You spent a lot of time with your father. He is a great teacher. A lion? Fine. Est-ce qu'il y a encore mieux? C'est comme ceci. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise. Est-ce qu'il serait encore mieux? Je me permets. Hein. Parce que je trouve que en anglais, on comprend pas grand-chose. YouTube, on va regarder la bande-annonce. C'est le 6, hein. Ah. Ouais. Trailer FR. Paf. Est-ce qu'on se met dans l'ambiance quand même? On n'est pas... Bon visionnage. Non, c'est pas gentil ça. Mais non. Bah c'est pas gentil ça. Boom.
Voilà. En vrai, à voir. À tester, pouf, allez. Où en est-on au niveau de notre téléchargement? Non, 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 non. Miss Tilly. Toc. Paf. On en est où là-dedans? SnowRunner, téléchargement, 96%. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Pour les overlays, ouais. Tu cherches quoi? Attends tout, ouais. Attends. Attends, alors c'est que je suis sur un autre Discord, c'est pour ça. C'est quoi ta question? Enfin, c'est quoi ton problème? Dis-moi. Nos runners. Accepté. Les URL des overlays sont bien placés. En gros, quand tu veux placer un URL, tu as juste à faire plus source navigateur. Enfin, donc navigateur. Et tu mets le nom. Hop. Oui, du coup, ça fait ça. Et tu, en largeur et hauteur, tu mets 1920 en largeur et 1080 en hauteur. Tu mets l'URL au-dessus et tu fais OK. Tout simplement. C'est une pub, ça. Ouais, on enlève. Merci. Alors, SnowRunner. Où est-ce que c'est? Non, c'est ici. Fichier de sauvegarde a été créé. Oui, t'inquiète. Alors, pourquoi tous les jeux sont hyper forts en termes... Hop. Est-ce que les touches... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Z... Non, j'ai dit Z. Ah oui, ok. Nouvelle partie, nouvelle campagne. Et quand ils se mettent sur OB, ça chie. Comment ça? Je dois trouver une tour de guet pour avoir vu dans son ok. Okay.
frein à main. Je sais rien. Alors je sais que dans ce jeu, il faut être très très patient. Trouver la tour de guet. Votre camion est muni d'une transmission. Ok. Oh, c'est horrible en fait. Je pensais pas que c'était autant en fait. Y. Non, V. Activer le menu fonction avec V. V et le treuil, il est où? Il n'y a pas de treuil. J'ai déjà perdu. Une dinguerie. Voilà, il n'y a pas besoin de travail ici. Mais c'est horrible en fait ce jeu. Moi qui voulais l'acheter de base, je suis au tuto et je déteste déjà ça. Non, je déteste pas, mais bon. J'ai l'impression que ça roule plus vite sur... sur l'herbe que sur la route normale. Le son du jeu est un peu fort peut-être. Salut Jusod, comment tu vas? Jucode. T'as pas activé AWD. Je sais pas, je viens de lancer le jeu là actuellement. Juste baisser. Regarde à droite. Ouais, j'ai vu, il y a le... Ah, AWD, ok. Et ça fait quoi en fait? Vous rencontrez différents types. Ok. Ok. Ah non, c'était pas la bonne strat. Je crois que c'était pas... Ah oui. Et dans cette situation... Je suis un génie, moi. Moteur calé, ben je vois bien ça. Start et relance le didacticide. Ah merde. Oh non. Non, maintenant pas continuer. Quel grand génie. Parce que là, il y a
Et aucune solution, ouais. Quel grand génie que je suis. Nouvelle partie, nouvelle campagne. Supprimer. Paf. On va essayer d'être... Comment dire? Sérieux. Tour de guet, camion et garage, ok. Il faut lire ce qu'ils disent. Ouais. C'est que j'ai commencé à... Et là, il va me dire le AWD, mais c'est que j'avais pas trop compris. Vitesse de conduite basse. Donc là, je peux me mettre en basse, ok. Et AWD. Là, je l'active. Ok. Non. Ok. À la basse, pour passer en auto. Ok. Voilà, je fais de la merde déjà. Véhicule endommagé. Et fonction. Ok. Je roule pas droit. Hein. Donc là, ils vont me dire. Ah, il y a un détour. Et que je suis trop con en fait. Ok. Seuls les conducteurs les plus expérimentés à bord des véhicules bien équipés peuvent conduire. En cas de doute, il n'y a pas de doute. Ils devront éviter le danger. Oui, donc je suis con. Moi je me suis dit, ça y est, j'y vais. Tu peux passer. Station service, ok. Faire le plein gratuit, comme les réparations. Oui, c'est parce que je suis dans le tuto. Ce sera pas gratuit après. Les réparations. C'est où les réparations? Ça répare automatiquement, ok. Oula, calme-toi. Bah, je suis passé par là. Ah bah voilà. Et voilà. Donc on va repasser par là. Du coup le AWD là nous sert pas. Passer par là. Non, c'est chez quelqu'un. On va faire tout le tour. Ça m'étonne. Y a pas de map. Je me sens un peu con. Oui, les AWD c'est pour droit difficile.
Donc c'est par là. D'accord? Ah, il y a un petit chemin là. Ah oui, il est... là il est utile. Avec ta style. Ouais, ouais, je suis sur PC. Oula, oula, non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, ici c'est votre œil. Donc là, c'est V. Là, j'ai pas trop compris comment on l'utilise, votre œil. Retiens un objet suffisamment solide. D'accord. Ok. Ah, ok. Attends. Je viens de comprendre. Et comment F? Ok. Ça va. Pour la même, je connais pas les touches. C'est peut-être M. Non, c'est pas M. On verra. Ou peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est virgule. Hop, on est arrivé. Faut avoir beaucoup de patience sur le jeu. Je suis pas sûr que... Vous dévoilera la partie de la carte. Ok. Ce qui vous entoure, trouvez le camion. Lancez l'observation. Trouver le camion. Ah mince. Je me disais, c'est quoi ça? Le camion, il est là-bas. Non, il est là. Donc, je dois repartir par là. Enfin, faire demi-tour. Et aller direct à droite. Par là, oui, c'est bloqué. Partie de la map, par contre, ça donne des tâches et des observations de véhicules. Ok, c'est là, oui, c'est là. Heureusement que j'ai trouvé la touche parce que sinon, genre. C'est par là, ok. On a pas su me repérer. Je sens pas trop ça. Si ça va. Là, je pense que c'est plus les livraisons de camion qui vont être chiantes. Et on prend du plaisir à jouer sur le jeu ou pas? Parce que ça doit être très... très énervant des fois. La map, la première chose à faire. Ouais, c'est la tour de guet, ok. Ça va, c'est pas trop compliqué. Il y a combien de maps sur le jeu? Camion d'autoroute. Ah bah j'ai pas l'impression qu'on est trop sur des autoroutes là pour l'instant. Ce camion est conçu pour la route, il n'a pas de capacité hors piste incluse. Ah bah c'est super ça parce qu'on a que ça. Ici de pas aller trop dans les marécages ou dans les boues épaisses. Vous pouvez savoir plus. Ok.
Alors, V, chargé de camion. Chargé de camion, oui. Ah, voilà, ok. Pas le meilleur camion pour travailler, mais ça fera aller faire les entreprises. Vous attend pour réparer le pont. Ok. Oui, donc il y a marqué M, mais c'est pas M. Oui, tu prends du plaisir, mais parfois tu peux rager. Et quand tu es dans les livraisons, tu retournes obligé de ramener un véhicule pour autrui. Ah oui. Il y a 4 maps, ok. Contrat. Ok. Où devons-nous aller? Ah oui, donc les tours de guet sont ici. Ah oui, c'est grand. Ah, je vais aller tout là-bas. Activer. Ah oui, donc je prends la marchandise là-bas. Ah bah si c'est que de la route, ça me va, moi. Ce camion, place pour une cargaison. Chaque camion a une capacité de transport différente. 2 emplacements de cargaison. Trouver les matériaux livrés sur le site. Ok. Frein à main. On est pas mal. Ah oui, il n'y a pas d'assistance là. Mais juste du coup. Donc il faut aller à l'entrepôt. Est-ce qu'on peut mettre un GPS à tout hasard? C'est super, c'est génial. J'adore ce jeu. Ah oui, mais... J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ok. Le GPS, c'est toi en fait. Ok, ok. Et du coup, je vais continuer parce que... Tac. Après, on va là. On va là et ici. Donc ça va, il va vite le camion. Malgré qu'on soit dans un terrain pas très... Non, bon, tout va bien. Là. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez. Donc là, on tourne, j'imagine. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais tourner, mais non, tourner là en direct. Mais non, un Pokémon apparaît. N'hésitez pas à récupérer le... Pour le moment, après, ça va. Chaque région augmente des difficultés. Ok. Pour ceux qui veulent le Pokémon, n'hésitez pas dans les points de chaîne. Vous avez juste à follow pour avoir 300 points... Oula, 300 points de chaîne. Et vous pouvez attraper ce magnifique Pokémon. Vous pouvez atteler des remorques trouvées dans la nature et utiliser à votre guise. Ok.
A new follower. Fonction. Attends, parce qu'il y a une remorque là derrière. Ah, je fais de la merde. Pourquoi il y a un treuil? Je suis en train de faire ça pour rien. Ouais, je fais ça rien, on est d'accord. Si on fait... Récupérer. Non. Donc le port il est là. Donc on va aller. On va mettre un point ici. Ah oui non, mince. Non, on enlève, on enlève. On enlève. On enlève. Je vois pas le Pokémon. Sur le stream. À l'écran. Et dans les points de chaîne, t'as des Pokéballs. Ah, il y a un petit problème là. Ah oui, donc on est obligé de passer par là. Ok, ok. Ok, et là on arrive. Let's go. Aïe, ah, c'est que c'est pas sur... c'est pas comme sur autre truc. C'est que les roues, elles reviennent pas direct au même endroit. C'est qu'il faut les redresser, c'est pour ça. C'est tout droit ou faut tourner? Faut tourner. Ah, c'est là qu'on va galérer. Ah non, ça va. Je suis étonné. Dès que j'ai de la vitesse, c'est pour ça. Ah bah c'est EZ. Après sa première mission, c'est normal. Oui, dans les points de chaîne, en gros, t'as la récompense Pokéball que tu peux utiliser et ça lance une Pokéball sur le stream. Aïe aïe aïe, ouh lolo, je fais des dingueries moi. Chargé et voilà, le pont est construit tout neuf. Ah, c'est pas encore fini, une autre partie de la cargaison. Mais c'était pas dans le contrat ça? Ah oui, sinon c'est pas drôle. Remorque, ok, mais faut aller où là? Non, tu arrêtes. J'en veux pas de ton point. Planche de bois. Ah oui, donc vous avez la scierie. Oh, c'est loin ça.
Hop, alors. Du coup, tac, tac. Tac, tac. Hop. Et après la série, j'imagine. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre cette route. C'est pas grave. Faut pas la Pokéball. Ah, c'est normal parce qu'elle y est pas. Pour qui? Ah bah je sais pourquoi. C'est de ma faute. Hein. Tac. Alors, normalement ça se connecte. Et on va faire ça. Enable ball. Exécuter. Pourquoi ça marche pas? C'est bizarre. C'est un... Mais t'es stylé en plus le... C'est quoi? Un Duralugon. Duralugon. Je vais faire ça. Pokémon. On va faire des spawns. Ok. Ici, on fait... Ouh, t'inquiète. Non, mais c'est que... Ça me permet de le régler en même temps. Ah bah putain. C'est un shiny. Et ça se spawn pas quand même. C'est bizarre ça. Et imaginons que je fasse ça. Tuc. Non, pas power up. Ah si, ouais, mais c'est punchin aussi. Et si la Pokéball. On la met, on fait ça, ça marche. Est-ce que ça se retire? Ah, je peux faire ça. Attends, je peux tester ça?
Voilà, bah GG. Ah, trop bien. Par contre, ouais. C'est bizarre. Ouais, au pire, je vais laisser activer la Pokéball. On verra bien. Toc. C'est juste l'animation sur le stream. C'est pendant, tu vois, pendant qu'on parle, etc. Ça permet d'animer un peu plus le stream et de rajouter un. Ou j'ai eu peur. Ajouter un petit truc ludique. Mais tu peux les collectionner. Bon, là, t'as eu de la chance, du coup, t'as eu un shiny. Il y en a 1200, je crois, pas loin. Ah oui, non, non, c'est pas dans Twitch, c'est autre chose encore. Ah, GG, voilà. ZX. L'usine à bois est le meilleur endroit pour récupérer des planches. Mais non, c'est vrai. Perspicace le jeu. Hein. 1112, ah ouais. Bah du coup il y en a 2 fois 1112 si tu comptes les shiny. Alors là on va bien s'amuser. Supprimer remorque. C'est pas ça? Non. Enlever cargaison. Ah, je peux atteler un truc à mon camion encore? C'est pas déjà une remorque ça? Je m'étonne. Laisse dans la remorque, prends à l'usine. J'ai fait de la merde. Je garde ma remorque à moi. Parce qu'ils me disent de prendre celle-là, c'est pour ça. Ah ok. Bah du coup. C'est pas solide ça. Si voilà, c'est parfait. Allez. C'est pratique le treuil quand même, hein. Vu comme ça. Hein. Je suis bien niqué quand même là. Je peux pas reculer. Ah mais je sais pourquoi je peux pas reculer. Il faut se mettre en marche arrière. J'ai pas l'habitude des boîtes. Une boîte de vitesse.
Chargé. Nickel. Donc là, on remet la map. Du coup, on va partir comme ceci. On va refaire le chemin inverse. Hein. Ouais, son auto ça recule tout seul. Effectivement. Ah oui, c'est que j'étais en basse, c'est pour ça. Faudra aller mettre de l'essence après. On est encore large, mais quand même. Sait-on jamais. Est-ce que je... Oh non. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la boîte de vitesse. Mais non, j'ai pas la WD. Oui, mais l'arbre, le pauvre. C'est moi qui tire l'arbre, pas le treuil. Hop. En train de niquer toute la forêt. Ah voilà. T'as vu mon par contre les remorques si elles sont vides alors tu les effaces. Si elles sont vides ou alors tu effaces les cargaisons après la remorque vide, tu la mets dans un magasin et tu la vends pour faire de l'argent. Ok. Mais j'en aurais pas besoin après du coup de la remorque. Niveau d'eau dangereux. Mais non, c'est dans la tête ça. Voilà. Allez. Voilà. Merci. Non, 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 non. Par là. Déjà sur Eurotruck, il y en a qui trouvent que je suis bizarre de jouer à un jeu de livraison de camion où je fais des allers-retours. Mais là, jouer à un jeu de camion avec de la boue, où tu te bloques toutes les 10 minutes, et ton camion il roule pas droit, je pense que les gens ils vont commencer à croire que je suis mazo.
Ah, j'ai un pneu crevé, je crois. Ouais, j'ai un pneu crevé.
Un ref, pardon. Un ref. Excusez-moi. Accepter. Ok. Ok. Trouver un garage. Alors j'imagine. Onglet objet. Ah. Ça fait long. Hein. Non, non, non. Oh. Non, comment non. Putain. Je suis pété un plomb. Ça veut pas en enlever. Bon, bah c'est pas grave. Ah, j'avais pas coupé le moteur. Ah oui, ah oui, je suis un grand génie, moi. J'avais pas vu sur la map. Le génie de la lanterne. Ah, comme ça. Alors. C'est par là.
retrouve la route. Allez. Allez. Voilà. Quand il est tout droit. Non, le déni, je sais. Regarde, le déni, ça paye. Ok. On peut pas du tout passer devant. Ça se tente. Ça se tente. Moi je dis ça se tente. C'est chaud quand même. Ça se tente. Soyons fous. Let's go. Voilà. C'est que de la flotte. Voilà. Et la tour de guet est là-bas du coup. On va aller au garage. Hein. Par là contre. J'imagine. Ouais. Garage découvert, hein. Vous pouvez. Vous allez découvrir le premier garage, explorer tour de guide et récompense et trouver des garages pour les améliorer. Pour améliorer ou acheter un nouveau véhicule. Ok. Et on a un autre camion. Et c'est génial. On arrête le moteur, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oh, on peut regarder à l'intérieur, ça c'est génial. Non. Ok. C'était quoi déjà la... encyclopédie. Il n'y a pas...
Ok. Amélioration et personnalisation. Ouais, j'ai vu ce qu'il y avait marqué tout à l'heure. Mais du coup, c'est chiant si t'es loin, loin. Mais bon, tu perds pas ton camion, au moins. Équilibré. Donc, il y a plein de trucs. C'est quoi ça? Elles sont toutes pareilles pour l'instant. Concessionnaire. J'ai 3800. Ce qui veut dire pas assez. Ah, ils ont fait des partenariats, c'est bien ça. Ah, ils ont 4 aussi. Pas mal. Est-ce qu'on peut sauvegarder le jeu? Ouais. Tu débloques en allant chercher les améliorations dans la map. Ok. Hop, et ben moi, je vais arrêter là. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était bien sympa. Et salut Jules, comment il va Jules? Ça fait un petit moment. Hop, oui, je t'ai vu. Bonne soirée. Et alors, j'ai pas de date précise parce que c'est vrai que là, je fais des lives un peu sauvages. Parce que je streamais souvent avant, mais j'ai un peu arrêté. Et là, j'y retourne de temps en temps. Mais sinon, vous avez le Discord. Point d'exclamation Discord, je vais vous le mettre ici. Vous avez les réseaux également, si vous voulez me suivre. Je vous mets, je vous l'épingle. C'est cadeau. Bonne soirée à tous, bonne nuit et à bientôt. Attendez, je vais peut-être vous raid chez quelqu'un.